Vendredi 26 mai était déjà diffusée la demi-finale de la nouvelle saison de Mask Singer. Et ils ne sont que trois personnages à s'être qualifiés pour l'ultime épisode attendu la semaine prochaine, dont le chameau. Et sur les réseaux sociaux, cela n'a pas du tout plu aux internautes. La fin de la nouvelle et cinquième saison de Mask Singer approche à grands pas. Vendredi 26 mai était déjà diffusée la demi-finale du programme de TF1, marquée par beaucoup de rebondissements. Pour commencer, les enquêteurs ont été aidés par un guest mystère qui se cachait derrière le costume du taureau. Il s'agissait d'Ang Guin, ancien membre du jury de Mask Singer les précédentes saisons. Par ailleurs, s'y estime malheureusement la méduse qui s'est fait éliminer. Un moment très fort en émotion pour l'enquêtrice Michèle Bernier puisque s'y estime sa fille Charlotte Gaccio qui incarnait ce personnage, fruit de ses amours avec Bruno Gaccio. Pour la finale attendue la semaine prochaine, il ne restera donc plus que la biche, le husky et le chameau en lice, tous bien décidés à succéder à la tortue, gagnante de la saison précédente. Mais pour l'heure, il est encore bien difficile de les identifier. Le chameau en particulier donne du fil à retordre aux enquêteurs. Si ce n'est à Kev Adams, lequel avait déclenché le pronostic d'or pour annoncer avoir trouvé son identité. Un pronostic qui avait été validé par le maître Moya. Ses camarades Jeff Panaclock, Elodie Frégé et Michèle Bernier doivent donc depuis se débrouiller sans lui pour percer le mystère de ce curieux personnage. Seule certitude, deux personnalités se cachent sous les bosses du chameau. Du jamais vu dans l'émission. Avec cet indice de taille, plusieurs stars issues d'Internet ont été citées, Nabila Thomas Vergara et Caroline Receveur Hugo Philippe, Jenny Valentin. Mais les duos les plus probables seraient Nico Capone Daniela, Shirley Dino et Inès Reg Kevin Debonne. Il faudra patienter jusqu'à la finale pour connaître la réponse. Et en attendant, la colère gronde sur les réseaux sociaux. En effet, les internautes ne sont pas du tout ravis de la qualification du chameau et ils l'ont fait savoir. Le chameau en finale, je vais péter mon crâne. Le chameau en finale? Si est-ce pas un peu foutage de gueule ça? Virez-moi le chameau s'il vous plaît, je ne peux plus du chameau, peut-on lire? D'autres ont estimé qu'il était favorisé par Kev Adams. Ils ont gardé le chameau pour faire plaisir à Kev Adams, ils sont copains avec Kev Adams et je suis sûr que si est-il le chameau qui va gagner. Le copinage ça marche bien dans les émissions télé, on voit bien Kev Adams qui les valorise et est en admiration devant chacune de leurs prestations, qu'on dégage enfin le chameau et Kev Adams en prime. Truqué. Plus de sens au jeu. A-t-on dénoncé? A noter que si est Vincent Niclot qui est suspecté d'être le husky. Quant à la biche, elle dissimulerait une chanteuse confirmée comme Priscilla Betti, Aurélie Conaté, Sofia Essaidi ou encore Lucie Bernardoni.